Ainsi donc, Arkin terrassa Antanas avec une arme imprégnée de la rune, respectant ainsi la volonté d'Adir. Le dieu d'antan revint ici-bas, à nouveau maître de ce monde. Avant son alliance avec le dieu, Arkin parvint par sa puissante magie à vaincre toutes sortes de leurs regards. Il choisit la voie de l'efficacité en aidant ceux qui pouvaient l'aider et en pourfendant quiconque s'interposait. Arkin était un guerrier, non, un érudit. Il avait beau avoir les secrets du monde ici-bas à sa portée, il ne l'intéressait pas. Il fit mine d'ignorer les sinistres expériences d'Antanas. Face à l'intransigeance d'Arkin, Yetka connut une vie triste et solitaire, privée de sa seule chance de retrouver sa famille. Après avoir regagné son cristal, le forgeron reprit ses voyages dimensionnels et son étude des runes. Arkin scella donc le sort des deux royaumes en s'alliant avec Adir. Les historiens de l'avenir spéculeront interminablement sur ce qui serait advenu si Arkin avait fait un autre choix.